Non, mais ma question n'est pas qu'une boutade, mais ça me permet d'aller plus loin. Attention, le salut n'est pas au bout de cette de toutes ces énergies subtiles. Voilà, on tombe dans le piège. Est-ce que pour avancer spirituellement, est-ce qu'il ne faut pas prendre possession encore plus de nos énergies? Mais le salut est un pur don. C'est gratuit, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que là, la force de Dieu peut se répandre. C'est de la théurgie. On prétend toujours développer cette humanité jusqu'à devenir Dieu. Mais non, le salut est gratuit. La grâce n'a rien à voir avec la nature. La grâce est transcendante, kadosh, 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 tout autre. Et même en explorant toutes les subtilités de ma nature humaine, je reste dans l'immanence d'une nature créée. Je n'avance pas d'un chouïa vers le salut. Au contraire, je risque de m'enorgueillir de cette extraordinaire humanité et de ses possibilités et de m'éloigner. C'est subtil, merci pour la question, parce que c'est vraiment le piège. Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait uniquement corps astral, hein, pour nous dire, allez, montez jusqu'à l'astral. Il est descendu dans un corps physique, il a cloué sur la croix, et c'est sans ses blessures que je suis guéri. C'est de ces blessures physiques qu'a jailli l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ça n'a rien à voir avec l'astral. Heureux les pauvres de cœur. Oh mon Dieu, le royaume est à eux. Attention à ce piège-là. C'est un peu le développement humain. C'est toutes ces techniques de développement du potentiel humain où l'homme se gonfle comme une baudruche. Il peut flotter entre ciel et terre. Il peut même acquérir les vides. Mais il ne s'approche pas du bon Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ça marche, tu vois, la différence. Dieu nous a pas dit explorez toutes les possibilités de votre humanité, vous êtes. Non. Il a dit ouvrez votre cœur, recevez la grâce divine. C'est pas la même chose.